Yo les gens, ici Rafi 76540, on se retrouve pour le 61e épisode sur mes contrats de chasse sur Final Fantasy XV, donc on est toujours auprès du volcan, voilà. Donc on prend le contrat et on va à la chasse. Vous m'avez l'air affamé. Donc on prend pas à manger, notre, notre bonus de manger est toujours actif, donc c'est celui-là. Éclair rouge de Ravaloch. Donc c'est oiseau tonnerre, écarlate et oiseau tonnerre. Donc il faut en tuer 6. Ça nous rapporte 9140 gilles et méga phoenix, voilà. Donc une, c'est un peu abusif, je trouve. J'ai hâte de faire ces contrats géants emplumés au milieu du fumée, ça va être pas mal ce contrat-là. Par contre, je crois que ça va être un peu long, je crois que c'est un peu loin. Donc on va prendre le contrat, donc attendez. Est-ce qu'on peut y aller? Ah, on va peut-être prendre le chocobo, non? Par contre, je crois que j'ai plus de choix pour chocobo, je vais pouvoir le reprendre. Donc ça, ça coûte pas trop cher en plus. Hop. Ah bah du coup, il revient aussitôt, même pas besoin de l'appeler, nickel. Donc on y va. On va affronter ces bestioles. Allons-y. En plus, il est déjà 12h, donc j'entends me grouiller. Avant qu'il fasse nuit. Bon, je sais que c'est par là de toute façon, alors c'est pas mal. Donc ah oui, je vous ai pas parlé. Maintenant, avec la dernière mise à jour, on peut changer de musique sur le chocobo, vous allez voir. Ça fait comme la voiture. T'as raison. On peut mettre ce qu'on veut comme musique maintenant, je trouve que c'est pas mal. Même à pied, c'est-à-dire que maintenant, vous pouvez avoir le lecteur de musique à pied, c'est-à-dire que quand vous baladez à pied, vous pouvez avoir de la musique. Donc ça, c'est la musique de Final Fantasy VII. Ça, c'est la musique de Goldusser. J'espère que si Final Fantasy VII sortira sur PS4, donc au moins c'est prévu. Et j'espère qu'ils mettront le Goldusser. Vous verrez que c'est comme un parc d'attractions et il y a plusieurs activités à faire dans cet endroit. Et j'aimais bien, franchement, c'était un truc qui était kiffant. Il y avait pas mal d'activités. Normalement, ils sont pas loin, normalement. Par contre, je vais l'éteindre parce qu'après, pendant le combat, vous allez avoir la musique. Donc ce qu'on va faire, hop, on va essayer de les analyser avant. Enfin, à quoi ils sont... Ah, bah non, monte. Monte, descend. Descend. Voilà. Ouh, j'ai eu peur. J'ai putain sous ma gueule. Donc, on va essayer de les analyser. Ils sont là, juste là. Ah, ils veulent pas les analyser. Ah, voilà. Donc, ils sont faibles à quoi sont faibles à la lance, nickel, et à l'arme que j'ai. Donc je vais voir si bah, mon arme c'est nickel, mon arme que j'ai là. Elles sont faibles au feu, donc ce qu'on va faire, on va faire des magies de feu. Pas s'emmerder, hop. Magie de feu. On va pas s'embêter, hein. On va pas... Par contre, j'ai plus de magie, je crois, pour les XP là. C'est quoi ça? C'est vrai qu'il faudrait que j'arrive à récupérer des objets, moi, parce que c'est un peu la merde. Non, non, attendez. J'en ai encore des trucs là, je crois que j'ai tout bouffé tout à l'heure. Billet ancien, il me reste plus que 2. Bon, on va l'utiliser, c'est pas grave, pour 2. Ça fera quand même 12% en plus d'expérience. Synthétisé. Hop, équipé. Par contre, c'est bizarre parce qu'ils sont foudre normalement. Ouais, feu, c'est pas, ça a pas trop rappeur, je trouve. Donc lui, je vais taper avec de la magie, lui. D'accord, ah ouais, d'accord, ok. Ça va être des objets, des trucs qui volent, donc ça va être chiant en combat. C'est vrai que ça va être chiant, franchement. Le mieux, c'est Prompto. C'est le mieux parce qu'il est l'arme à feu, donc c'est pas mal pour les tout ce qui est bête comme ça. Ah, ça va, ils perdent quand même pas mal de vie. C'est pas dégueu, je trouve. Après, le mieux, c'est de les taper par terre, mais il fait pas ce que veut. Ah, franchement, c'est des combats un peu chiants, les animaux qui volent. Hop. Le mieux, c'est de se téléporter. Hop. Allez, ah non, dommage, il l'a pas enchaîné. Oh, il y a le chocobo qui m'aide, quoi. Trop fort, je kiffe. C'est pas si cool, hein. Ouais, franchement, la magie, faut que j'utilise du heureux, ça va rien faire. À moins qu'on peut viser en l'air, mais ça m'étonnerait. Non, ça a rien fait, je crois. Non, ça devait rien faire. Ah oui, ça fait quand même perdre un peu de magie. Oh putain, là, on fait une oh, mon chocobo, il est tout cramé, quoi. Oh, il y en a un qui est mort, là. Hop, attendez, je vais faire Ignis.
D'accord. Je pensais qu'il y a eu un bug. Ah ouais, il les a bien... Ah, c'est pas mal cette magie-là. Ignis encore, vas-y, profites-en. Comme ça coûte pas trop cher. Ah, il a un noir déjà. Bah, le mieux c'est de faire ça, hein, des attaques éclairs. Hein. Allez! Dommage, j'aurais pu l'empêcher de revoler. Oh putain, il m'enchaîne. Attends, on va se mettre sur le rocher pour reprendre un peu de vie. Oh! Allez! Oh non! Pourquoi il a pas le temps de taper là? Ah, j'ai presque plus de vie, c'est pour ça. D'accord, ok. Mon dieu, c'est bizarre. Ah, puis je suis électrifié. Allez, gars, moi. Merci. Nickel, mec. Ah, j'ai raté celui-là. Je vais refaire une magie de... Ignis parce qu'elle est efficace contre eux. En fait, ça me cible les ennemis, du coup... il arrive plus facilement à les toucher, je veux dire. Ouh, il est mort celui-là. Je crois qu'il est... Oh, il est mort, c'était one shot. Ouh, lui aussi presque mort. Ouh. Eh, c'est efficace les éclairs, les attaques éclairs. Ah, et quand même, franchement. Et à chaque fois que je fais une attaque éclair, en plus, ça me donne un PC. Donc j'ai pas gagné beaucoup, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas fait attention comme j'ai gagné d'XP. Ça va pas donner des masses, je pense. Regarde, dans le coin, c'est pas un objet. Tiens, il y a un objet juste là. Donc on va retourner directement à la voiture. Directement on va rendre la quête. Aussitôt, hop. Bah après c'est le dernier contrat que j'avais fait. Après les autres je sais pas du tout. Je vais découvrir en même temps que vous. Si je les avais pas fait d'avance. Bah c'est pas que je les avais pas fait, mais comme j'avais déjà capturé, j'avais déjà vu. C'était comme ennemi, mais les prochains je sais pas du tout. Je sais que l'autre, le dernier, c'est un gros aigle. Bah celui-là que je vous avais expliqué. Normalement, si vous aurez, si la vidéo t'aurait été publiée, c'est le gros aigle qu'on rencontre au début du jeu, je sais pas si vous vous rappelez, qui dormait, il fallait pas le réveiller. C'était ce gros aigle-là que l'on combat à cet endroit-là, voilà. Non, si je me trompe pas, c'est lui. J'entends un moteur Magitech. Donc en espérant qu'il me donne un beau objet quand même, ce serait pas mal. Donc voilà, donc on est arrivé. Donc on va rendre le contrat et bah je vais faire un petit dodo puis refaire l'autre d'après parce que après ça dépend si c'est la nuit ou pas, je vais regarder quand même avant. On se reverra. Si c'est la journée, faut que j'aille dormir avant. Bienvenue. Donc on rend le contrat, nickel, hop. Ça marche, il est quand même bien monté, 3 étoiles. Nickel. Donc Mega Phoenix, franchement je suis un peu. C'est ça que je vous dis tout le temps la même chose. Mais je trouve que c'est un peu con qu'on gagne beaucoup de méga phoenix ou ça. J'aurais pu profiter de faire les contrats de chasse pour vous donner des trucs bien quoi. Vous voulez connaître. Donc lui est malade ou quoi lui tous. Oui. Donc pour ce combat, c'est toute la journée. Donc c'est des Algraillon Royal. Donc on va aller voir c'était quoi après. À la prochaine. Dans le prochain épisode. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Donc moi je vous dis une prochaine pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et partager. Commentez mes vidéos. Bye bye, portez-vous bien.